Les besoins urgents de plus de 300 personnes ont été identifiés afin de pouvoir les orienter vers les services dont elles ont le plus besoin, comme des services de santé ou un accès à l'eau potable. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le grand nombre d'initiatives locales, de gens qui se sont mobilisés instantanément pour venir en aide aux victimes. Mais c'est aussi l'extrême vulnérabilité d'une grande partie de la population, des populations migrantes, réfugiées, des enfants, des personnes âgées, qui souffraient déjà d'une situation assez compliquée avec une crise économique et l'épidémie de Covid-19.